Le salon Cap vers l'emploi, c'est 136 entreprises, 20 partenaires, 1000 postes proposés et plus de 3000 visiteurs. C'est un long et intensif travail d'équipe de plus de 3 mois de tous les collaborateurs de Réussite Emploi qui se sont mobilisés avec notre partenaire Grand Besançon Métropole et le soutien du département, sans oublier nos bénévoles. Alors on est présent aujourd'hui au salon pour pouvoir déjà faire connaître notre entreprise, participer un petit peu à l'activité économique locale, pouvoir donner de la visibilité au parc Lafayette, à Cibest, et surtout pour recruter. Le centre d'information et de recrutement des forces armées est présent aujourd'hui sur le salon pour présenter l'ensemble des offres que proposent les trois armées, l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air et de l'espace. Nous avons 25 000 postes à pourvoir dans ces trois armées. Ce salon est très intéressant, ça nous permet de rencontrer un public qui ne vient pas au premier abord frapper à notre porte. Ce salon est important pour les recruteurs. Besançon est un gros bassin d'emploi. On y croise énormément de profils différents et donc ça permet en effet de rencontrer des personnes qui vont pourvoir les emplois de demain. On a vu effectivement des personnes qui sont intéressées pour tous les domaines qu'on peut roser chez nous. On a pu rencontrer des profils qui étaient intéressants pour nous, pour des besoins qui vont être immédiats, mais aussi pour des projets de recrutement sur 2024. Nous avons trouvé sur ce salon beaucoup de profils intéressants sur l'ensemble des offres des postes à pourvoir, tant sur les métiers de facteurs et puis sur des métiers, des profils un petit peu plus discrets ou en tout cas que l'on a plus de mal à trouver, notamment des profils de conseillers bancaires. Aujourd'hui, je me suis renseigné dans tout ce qui est microtechnique et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'offres d'emploi dans ce domaine-là, il y avait des formations et j'ai trouvé pas mal de bonnes choses. En amont du salon, nous recueillons les besoins des entreprises, saisissons les offres sur le site de notre partenaire Pôle emploi afin de permettre un premier rapprochement post-profil. Sur ce salon, on est très bien accueillis puisqu'on a des personnes qui viennent nous aider à l'installation, à repérer notre stand, qui passent régulièrement voir si nous avons suffisamment de candidats. Et il y avait une présélection qui était faite puisque quand on est arrivé sur notre stand, on a pu avoir directement des CV de personnes qui sont passées ensuite sur le stand. Nous préparons également les demandeurs d'emploi à se présenter en 5 minutes pour convaincre et nous détaillons avec eux les entreprises qui pourraient les intéresser. Le jour du salon, nous organisons des ateliers en faveur des entreprises, mais également des demandeurs d'emploi. Ce sont des ateliers que nous avons déjà l'habitude de faire avec Réussite Emploi, puisqu'en amont, nous avons déjà fait un atelier « Comment réussir son entretien d'embauche ». Des espèces games, des présentations des nouveaux dispositifs à l'emploi. La méthode que nous présentons aujourd'hui, c'est la méthode de recrutement par simulation, qui est une méthode de recrutement sans CV. Tout ce qui peut tendre à améliorer et réussir sa recherche d'emploi, de formation ou une réorientation. Le salon pour nous, c'est une réelle réussite. Ça permet vraiment de rencontrer du monde, de faire du réseau, de faire parler de soi et puis surtout de se constituer un réel vivier candidat. Merci à tous les organisateurs pour cette journée qui est très bien organisée. C'est une très bonne participation, un très bon salon et on reviendra l'année prochaine.